Jean Roland. Hein. Bon, mais Jean Roland, on en a parlé longuement. C'est une belle image. Hein. C'était un grand pilote qui a gagné beaucoup de rallyes, hein, de 1959 à 1967. Il a gagné 3 fois la Coupe des Alpes. Il a été 3 fois champion de France des rallyes. Il a gagné de nombreux rallyes. C'était un pilote originaire de Digne, à côté d'ici, un bas alpin, gentleman driver. Hélas, à 32 ans, comme vous savez, il a péri dans sa voiture. Il a formé au 33 prototype à Montlhéry. Donc on rend hommage à ce grand champion, Jean Roland, qui était un pilote très éclectique, puisque la même année, il pouvait très bien gagner la Coupe des Alpes sur Alfa Romeo, faire les 24 heures du Mans sur Simca à Barthes, et le Grand Prix de Monaco Formule 3 sur Alpine Renault. Donc c'est quand même un parcours qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Bon, voilà. Donc nous remercions la présence, bien sûr, de M. Prato, le maire de Saint-André-les-Alpes. On peut l'applaudir. Marc Torano, le maire de Lambrisse, ici présent. On peut l'applaudir aussi. Monsieur Bichon, Torano Basse, sous vos applaudissements. Et bien, nous allons commencer. Alors, il est notre ami Clark et notre directeur de course. Jean-Louis, où il est, Jean-Louis? Bon, on peut faire un applaudissement à notre ami Jean-Louis Clark. Bravo Jean-Louis, 3 fois champion de France des rallyes, 21 victoires au scratch, tous sur Opel Kadett GTE, fidèle voiture, quelques piges sur 0,37, mais on en parle rapidement, mais c'est surtout l'Opel Kadett. Un petit mot, non, cher Jean-Louis? Bonsoir à tous. Oui, une carrière qui est derrière moi et qui me permet aujourd'hui de participer à ce genre de manifestation, ce qui me fait extrêmement plaisir. Je me suis vraiment régalé tout le week-end sur des routes que j'ai parcourues il y a quelques décennies, sans stress aujourd'hui, avec uniquement le plaisir de conduire, un petit peu vite peut-être parfois, mais c'est dans les gènes. Et puis surtout, le plaisir de trouver une ambiance conviviale, des gens sympas, de retrouver des gens que j'ai connus il y a quelques années, ça c'est vraiment, pour moi, c'est valorisant. C'est quelque chose qui m'a droit au cœur. Donc je remercie vraiment tout le monde du fond du cœur. Monsieur, tu veux dire un petit mot, Fred? Ah ben vas-y, Fred, hein. J'avais pas prévu ça, mais bon, tu peux y aller, hein. Oui, je veux quand même, moi, pour moi-même déjà, d'avoir Jean-Louis dans ma voiture au volant, c'est extraordinaire. Voilà, je le voyais passer quand j'avais 20 ans, pour moi c'était une idole, et j'aurais jamais imaginé arriver à cette situation. Donc c'est vrai que j'ai passé un week-end extraordinaire, et voilà, donc c'était super, l'organisation, l'accueil, toutes les communes, c'était vraiment fabuleux, et l'année dernière à Colmar notamment, c'était très très bien, donc bravo à toute l'équipe. Et moi je voudrais ajouter quelque chose au sujet de Fred, parce qu'on s'est partagé le volant, il a fait la moitié, j'ai fait la moitié, etc. Et j'ai vraiment été époustouflé par son pilotage. Non. Je vous assure qu'il n'a rien à m'envier sur ce genre de manifestation, et que c'est vraiment un très très bon. Et j'ai été étonné, parce que je n'étais pas tranquille une fois à côté. Mais vraiment, c'est un très bon. Et déjà, je le remercie d'avoir confié sa voiture, mais sa voiture, il en prend un peu moins soin que moi dans certains passages, parce que... Ah, il envoie, c'est ce qu'on peut dire, ouais. Alors, voilà, c'est dit. Alors, monsieur le maire, peut-être notre ami Jean-Louis, qui partagera avec Fred, hein, un petit colis de cadeau de Saint-André-les-Alpes, la maison du saucisson, qu'on ne présente plus. Pour la photo, allez, la photo. J'aimerais de votre part remercier tous nos commissaires, on peut les applaudir, hein, parce qu'ils sont en bord des routes depuis hier. Bravo, ils s'applaudissent eux-mêmes, c'est encore mieux. Après, voilà, c'est ça la célébrité. Hein. Bravo, bravo. Bon, voilà. Mesdames, messieurs, donc chers amis, la commune de Saint-André, comme chaque année, vous accueille bien volontiers pour cette manifestation. Donc nous sommes devenus un partenaire incontournable de M. Gambina. Je crois qu'au niveau du conseil municipal, je suis entièrement suivi dans les propositions, et je vous en remercie.
Merci pour l'organisation, c'est toujours parfait. Merci pour les concurrents. Ça fait plaisir de voir des locaux s'inscrire, participer, et donc de les retrouver à l'arrivée. Et en tout cas, je vous souhaite donc de revenir l'année prochaine, j'espère. Je n'oublierai pas d'associer mes collègues maires qui sont présents. Donc M. Robert Martorano, maire de Lambrisse, M. Bruno Bichon, maire de Torrembasse, mais également les collègues qui n'ont pas pu venir. Donc M. Guibert de la commune d'Entrevaux. Madame Surle, donc, qui a, Madame le maire de Colmar-les-Alpes, mais il y avait son mari et ses deux enfants qui couraient. Le maire de Torrembourotte, M. Autobruc. M. Jean-Louis Chabot, le maire de Barème, excusez également, mais qui était ce matin au départ du Corobel, je crois. Et également le maire de Chaudon-Laurentin, donc M. Marcel Imbert, qui est également excusé. En tout cas, vous le voyez bien, donc il a fallu un moment se battre un petit peu pour les autorisations administratives. Mais vous avez le soutien des élus et des maires pour cette manifestation hors saison qui pour nous est importante parce qu'économiquement, il ne faut pas cracher dessus quoi, puisque deux jours de manifestation comme ça, ça fait du monde en plus sur le village, ça fait connaître le village, ça fait travailler les commerçants, on ne peut que s'en féliciter. Merci aux organisateurs, merci Jean-Luc, merci Marianne, puis merci à ces messieurs dames qui s'investissent bénévolement. Et je vous dis à l'an qui vient. Nos ouvreurs attitrés et fidèles. Vous avez rendu la radio, en fait ? La photo ? Oui, la photo. Avec M. le maire de Lambrisse. Sans savoir, pour organiser, il faut des mairies complaisantes, mais il faut aussi des finances. Et il nous en apporte une grande partie. Notre fidèle Hugues. Alors, Hugues, monsieur le maire, ouais, une petite maison de saucisson, hein, petit souvenir. Ah bah oui, pour ce soir, ça te fera un petit pique-nique. Karine, qu'est-ce qu'on va... Un peu de lecture, les jeunes, il faut qu'ils lisent un peu. Hein. Donc, tiens, Jean-Claude Andruet, ça, tu vas te régaler, spécial échappement. Ça va te faire une belle culture automobile avec Jean-Claude. Allez, merci Karine. Il est là, Jérémy. Allez, notre fidèle Jérémy, d'Entrevaux. C'est pas un local de l'État, mais c'est un régional, on peut dire. Alors, mon petit Jérémy, c'est la cinquième, sur une magnifique affaire GTV 6 de 84. Alors, mon cher Fabien, Frézy Jean-Claude, Porsche 911, 1982. Il est là, monsieur Frézy. Alors, monsieur Frézy, nous savons qu'il est de la région. Et donc, vous allez avoir le trait d'épine. Ah ben oui, de Nice à Digne. Et l'histoire des cantons, des Basses-Alpes, parce que c'est vrai qu'avant, on appelait ça. Sur le Francis. Alors, notre ami Surle, il est engagé sur la Stratos Replica. Il est venu avec le Renault 5 Turbo. Ben ouais, c'est évident, hein, Francis. Hein. J'ai tiré l'oreille, d'ailleurs, hier. Mon cher Francis. Alors, au niveau lecture, je sais que tu es bien paré, toi. Hein, tu es un passionné, je sais que tu es abonné à tous les journaux. Alors, père, Eric, Subaru Impreza 98. Alors, vous savez que les Subaru, maintenant, ben, elles rentrent dans l'historique, puisqu'elles ont 20 ans. Eh oui, déjà. Donc, au début, ils ouvraient nos rallyes, nos manifestations. Qu'est-ce qu'il y a, t'as la pétoche ou quoi, là? Et aujourd'hui, ils sont en Youngtimer, donc elles rentrent dans les 20 ans. Voilà, France. Subaru Impreza 98. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Sloss. Ah, nos amis Sloss. Alors, nos amis de Belgique, monsieur Sloss, un fidèle de nos manifestations. L'an dernier, le magnifique Alfa Romeo. Cette année, l'Alpine, qui est devant vous, magnifique. Jaune, couleur de la Belgique. Alors, monsieur le maire, ils ont du saucisson de Saint-André. Oh, merci, monsieur le maire. Ça coule de source. Merci, monsieur le maire. Avec plaisir. Monsieur Sloss, vous dire un petit mot? Allez, avec plaisir. Bien, bien, un grand merci à toute l'équipe et cette belle organisation. Je voudrais surtout remercier le couple d'ouvreurs, parce qu'ils ont balayé la route d'une façon extraordinaire. J'ai pas vu une crotte de mouton. Après, nous avons notre ami Jean. Alors, notre ami Jean Zouba, Opel Kadett GTE 77. Alors, hier, il s'est fait une grosse, grosse chaleur au col du Défend. Où est Jean? Jean, accélérateur bloqué dans la descente. Et il a eu peur. Elle aurait pu se faire mal, mais bon, il s'en est bien sorti, parce que c'est un pilote. Monsieur Ossély, Opel Kadett GTE, ça fera plaisir à notre ami Jean-Louis, 77. Alors ils sont venus à 3 voitures, ils sont venus à 12, c'est vraiment une sacrée, les enfants et tout, c'est la sortie annuelle. Automobile familiale, bravo, bravo. Castellan, Loïc et Toche Loïc, Renault Clio 16S 92, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Alors,
Messieurs les maires, monsieur Bichon, venez peut-être, parce que voilà, comme ça vous avez un petit. Voilà. De l'équipe, Renault 5 Turbo 88. Monsieur Bureau, il est là. Ma feuille, elle s'envole. Petit restaurateur de Touette, sur Opel Cadette, GTE. Décidément, Jean-Louis, il y en a des cadettes. Hein. Hein. Comme par hasard, il y en a beaucoup. Hein. C'est pas Opel, mais bon, c'est pas mal aussi. Hein. Bravo. 71 de Monaco. Monsieur Rossando, est-ce qu'il est là? La voiture est là, il est là. C'est la première fois qu'il est parmi nous, de notre de nos organisations. Alors, Rouvier Patrice, Cotro Jérôme, Renault 5 Alpine Turbo, 84. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Alors, monsieur Rouvier, un échappement. L'ancien Foulvier HF, 67. Est-ce qu'il est là? Hier, on l'a tiré un peu les oreilles, hein, monsieur Brouillard, parce que Tartone, je ne sais pas ce qu'il a fait, passé un peu fort. Boisard Olivier. Boisard Olivier, qu'est-ce qu'il est là? Boisard Olivier. Paul Marouet. Tricot Val d'Alos, il est tout tatoué, il est tout. Tendance. Tendance. Qu'est-ce que tu veux? Ici, est-ce qu'il est là? Henri ici, Eric Dordini. Il y a madame qui est là, qui se cache, c'est la timide. Madame Henrici, il est où, monsieur? Alors, c'est monsieur ou madame? Il faut décider. Non, c'est monsieur. Voilà, monsieur. Madame. Allez-y, tous les deux. Allez, au bouquin. C'est quoi, anglais? Ah ouais, Speed Barry, MG Twin Cam, magnifique. 59. Barry, moi, je pense que, en pleine période de Brexit, Bonetti. Alors, monsieur Bonetti, écoute, ce qu'on va faire, on organise Saint-Césaire le 27 mars. Tu auras une invitation avec Saint-Césaire, la côte historique de Saint-Césaire. Ça te fera descendre dans le 06, mais bon, c'est plus du bonheur. C'est hein, tu le notes? C'est le fils 27 de René. Mars. Ouais. Hein, tu notes, t'es invité à Saint-Césaire. D'accord? La montée historique.